Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'émission Agir Ensemble. Cette semaine, il s'agira des méfaits du tabagisme. Notre invité, c'est Norman Tambanivoul, qui est travailleur social engagé au centre Idriss Goumani. Monsieur Norman Tambanivoul, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir et merci d'avoir accepté l'invitation de l'émission Agir Ensemble. Aujourd'hui, nous vous causons sur les méfaits du tabagisme. Mais avant ça, nous avons envie de découvrir, ou comme nous faire à chaque semaine, qui est l'un travailleur social, découvrir qui est la personne. Alors, qui est Norbert Tambanivoul? Qui est Norman Tambanivoul? Nous avons envie de découvrir où ce soir. Alors, qui région où habiter? Raconte-nous comment on commence dans le social. Moi, j'habite actuellement à Coromandel. Et qui est arrivé quand nous fait quitter l'école? Tu peux commencer avec mon camarade, commence à fumer, taper une petite affaire. Et la cigarette commençait par une, deux, trois, il arrive jusqu'à une dizaine par jour parfois. Donc, tu es un animateur de la Ligue Vie et Santé qui vient faire un travail de conscientisation dans la région où tu as habité avant, aux Salines. Je viens expliquer qu'était le tabac, comment il est dangereux, qu'était l'alcool, comment il est dangereux. Nous avons un camarade qui. Moi, tu disais, nous allons, mais malheureusement, dans ce groupe-là, moi, tout seul, je suis capable de dire le seul survivant. Mmh. Alors, nous finissons aller, nous finissons suivre, qui était l'alcool, qui était le tabac, nous tous nos oreilles, comme nous disons en du patois créole, tous nos oreilles, fini. Donc, à partir de là, on comprend que si je n'ai pas, si pas engagement dans ce travail-là, beaucoup de jeunes, comme moi, j'étais longtemps, tu peux rentrer dans ce fléau de la drogue. Parce qu'il ne faut pas oublier que. Une personne, 99,9% qui peut prendre une drogue comme l'héroïne, il commence par le tabac. Le tabac, la cigarette, c'est une drogue d'escalade. Et d'après une statistique qu'il nous fait au centre Goumani, quand un patient vient, nous fait un dossier pour lui, nous demande comment, par qui il commence. Tout ne commençait par le tabac. 11 ans, 12 ans, 13 ans, il montait. Finalement, comment dire, il y a une promotion là. Tabac, alcool, ganja, brown. Mais bien rare qu'un jeune rentre directement sur l'héroïne. Et Nali, mais bien rare. Donc, et, quand on suit ça cours-là, et ça programme de plan de 5 jours, voilà le nom, plan de 5 jours qui est animé par le travail social de la Ligue Vie et Santé, là, moi, j'ai besoin d'engagement. C'était dans les années 70-75, je ne peux pas rappeler exactement. Mais quand on entend dire que le centre Goumani peut recruter, peut faire un travail de formation pour une personne qui a envie d'aider, je vais soumettre ma demande et je vais rester entrer. Donc le centre Goumani lui-même, il trouve à peine verte, il fait créer en 86, qui fait en 86 parce que dans les années 80, début des années 80, il y a une explosion de la toxicomanie dans la région de pleine verte. Et un travailleur de l'ambiance. Il faut vivre de l'endroit. Il trouvait qu'il ne s'est pas fait un ennui pour un problème plus tard. Alors, je vais mettre sur pied le centre Goumani qui existait aujourd'hui. Et depuis en 89, on a suivi sa cours de formation-là et on a fait une zone le centre Goumani. Alors, c'est un travail inlassable qui nous permettait pour conscientiser les jeunes qu'il ne faudrait pas faire l'expérience avec tout ce produit toxique-là. Monsieur Tambanivoul, on a une dizaine d'affaires qui est tellement importante. Vous pouvez expliquer que beaucoup de personnes qui ont des camarades dans le passé, ils n'est plus là. Ou, ça veut dire, ou tout seul, on dit le mot survivant. Le seul survivant. Oui. Alors, seul survivant. Alors, comment vous expliquez ça? Ou quand raconte-nous ça parcours-là, quand on commence à fumer, quand on a arrêté, et les autres qui continuent et qui n'arrivent autres? Question intéressante. Donc, on tient encore après 6-7 camarades de proches, très proches. Dans le week-end, nous étions dans une petite taverne, tapant des affaires, fumer. La vie était belle, quoi. Mm-hmm. Alors, nous avons suivi ce cours de plan de 5 jours-là. Apporte-moi, personne ne peut en aller. Ou bien, tu n'as dit que tu es venu, mais après, c'est une drop-out. Finalement, il y a une. Malheureusement, il y a une mort. Il y en a qui est malade aujourd'hui, très grave. Il y en a qui est SDF. Mm-hmm. Donc, comme on a dit parcours et que mon parcours, c'est à ce moment-là qu'il m'a dit, malheureusement, je suis le seul survivant. Est-ce que vous pensez que le tabac, cigarette, il y a une mauvaise affaire vraiment? Parce qu'il nous trouve beaucoup de personnes de tout âge aujourd'hui,
consomme la cigarette, l'ivinenza fait normal, pratique, acheter cigarette, fumer, dans tout fait, tout au dimoun fumer, l'OCME partout, tout au dimoun fumer. Est-ce qu'il y a un livret qui y a de la drogue et qui n'est pas bon pour la santé? Parce que si l'ivinenza fait pas bon, là, je trouve tout le dimoun fait aller comme ça. Bien sûr. Ce qui est arrivé à un jeune, quand moi j'étais longtemps, a envie de faire l'expérience. Trouve camarade peut fumer. Bien souvent, c'est à travers camarade. Camarade fumer, essayer, goûter, trouver bon. Finalement, sans que vous êtes réalisé, vous êtes devenu addict, accro à la cigarette. Et quand je vous connais qu'il n'est pas bon, il est déjà trop, pas déjà, déjà trop tard, mais il est difficile de vous sortir. Et un chemin sorti, bien sûr. Moi, un exemple vivant. Mm-hmm. Donc, qui fait vous fumer, c'est haine, puis après, sueur, pression des pères. Deuxième, curiosité, envie de connaître qu'il y a là-dedans. Et troisièmement, tout le monde peut faire aller, qui ne fait pas faire aller. Une raison principale qui fait un jeune tout cigarette aujourd'hui. Alors, on ne va pas dire qu'il y a tout le monde qui prend cigarette pour venir vers le brown sugar. Mais tout ce qui prend brown sugar aujourd'hui, il commençait par le tabac avec une majorité de 99,9%. Déjà au départ de l'émission, si vous êtes pour cause avec ban jeune, ban dimoun, ban fumeur, sur les méfaits de la cigarette. Nous connaissons beaucoup de gens qui n'ont pas écouté. Il faut pas trouver une situation compliquée, grave, à ce moment-là, je prends une décision. Mais qui vous n'avez pas dit, Ben? Je dis à Ben qui n'a pas encore commencé, pas tous. Ben qui déjà rentre dans la cigarette, si je n'ai pas encore addict, il est grand temps pour maintenant cesser. Il n'est pas plus difficile, je n'ai pas encore une addict. Mais Ben qui est addict, qui accro à la cigarette, j'ai besoin de trouver une solution, faire un traitement pour que je puisse arrêter. Tu n'as pas arrêté? Bon, oui, capable d'arrêter, bien sûr. Tout dernièrement, c'était l'année dernière, tu n'as pas de 5 jours que tu as fait à Beaubassin. Tu as une grosse majorité qui n'arrête de fumer. Mm-hmm. Oui, donc, moi-même, par exemple, moi, l'exemple qui m'a été, qui m'a vive, n'arrête de fumer. Ou content de l'arrêt de fumer? Bien sûr, pour plusieurs raisons. Ou un autre dimoun? Définitivement. Mm-hmm. Et la personne qui dit comme ça, quand elle n'a pas gagné sa cigarette, elle n'est pas capable de fonctionner. Mm-hmm. Mais ce n'est pas vrai. Il est pensé qu'en cigarette qui peut donner un boost, plus capable de travailler, mais en fait, quand il prend la cigarette là, il est bloqué. Mais moi, besoin de cigarette pour faire mon travail de tous les jours. Donc, cigarette, il y a un ennemi. Il y a un ennemi de la personne. Par exemple, quand on trouve, qui ferme un arrêt de fumer, qui trouve seulement trouver la santé d'abord. Mm-hmm. L'économie. Mon pays est capable de socialisement avec 20 personnes parce que. Il n'y a pas un obstacle maintenant pour une bonne personne. Je ne me sens pas mal à l'aise. Donc, cigarette, il y a un piège mortel. D'accord. Je vais expliquer qu'il fait un piège mortel. Il y a 4000 substances chimiques dans une cigarette. Mm-hmm. Et cette bonne substance chimique-là n'est pas pour faire du bien. Il n'y a aucune substance là-dedans qui fait du bien à la personne qui peut fumer. Et. En quelques secondes, comme l'iris la première bouffée, en quelques secondes, 7 secondes, il est fini envahir le cerveau. Donc, quand une personne fonctionne bien, il faut déjà le cerveau en bonne santé. Mais mm-hmm. Si le cerveau là-même rempli avec une substance toxique, mais qui peut arriver après? Problème. Non, mais attends, Banivoul, vous finissez dire, nous finissez présenter au départ de l'émission comme un travailleur social engagé. Ça veut dire? Bon, c'est un combat inlassable qui nous permet de contre la toxicomanie. Moi, l'équipe avec moi, ensemble, depuis des années, nous permet de ce combat, comme je dis, inlassable. Inlassable veut dire que nous ne parlons pas de public, nous ne parlons pas l'air qui nous travaille, nous, comment quelqu'un ou bien une organisation faire appel à nous, nous sur le terrain, nous présente nos programmes de prévention. Et nous faisons gagner beaucoup dans le passé, malheureusement, ça a quelques temps là, à cause de Covid, nous ne sommes pas capables, nous devons ralentir notre activité un petit peu. Mais nous agissons plutôt au niveau de l'offre. Donc, l'offre, c'est la police, l'offre, c'est la douane. Nous agissons au niveau de la demande. C'est-à-dire que nous faisons un client, un patient, comprendre qu'il y a un danger pour eux autres et qu'il arrive l'air pour eux autres arrêter. Que ce soit la cigarette et les autres drogues. Il ne faut pas oublier que la cigarette est une drogue légal. Mmh. Non, mais attends, Banivoul, travailleur social engagé ou également poète. Alors, ça vous fait nous plaisir aujourd'hui si vous êtes capable, raconte-nous ça, l'aspect de la vie en tant que poète,
comment ça passait, où écrire, et si possible, ou quand faire un poème pour nous. Bien sûr. Mon premier poème que j'ai écrit, c'est justement après que je me suis sapin de Saint-Jour. Là. Ça remonte à des années, alors? À des années. Mm-hmm. Le titre, c'est « La chanson d'un fumeur mm-hmm. ». Et mon film gagne mon inspiration. Mais après, quand j'ai abandonné la cigarette, mon film est un deuxième, « La chanson d'un ex-fumeur mm-hmm. ». Bon, nous cause la chanson d'un fumeur. Mon argent part en fumée. Ma santé part en fumée. Ma vie part en fumée. Plus jamais je ne pourrai humer les suaves senteurs des bois et des fleurs, car aujourd'hui je me meurs, consentante victime de l'humaine erreur. La cigarette, cette bombe cancérigène, m'a détruit en me volant mon précieux oxygène. Ah, si seulement je savais, mais il est trop tard. C'est déjà le soir, il fait déjà noir. On m'a tout volé, il ne me reste qu'un cancer, comme prime amère d'une insouciante vie enfumée qui part en fumée. Bravo, Nomen Tambanivoul, de belles paroles qui font nous réfléchir beaucoup par rapport aux méfaits de la cigarette et où ne servient le mot cancérigène. Vous pensez que ça fait Bandimoun réfléchir parce que le cancer, aujourd'hui, c'est une maladie qui peut affecter beaucoup de personnes et qui peut causer beaucoup de maux dans nos sociétés. Oui, bien sûr. Et l'expérience nous montre que la cigarette, comment la personne allume sa cigarette, comment elle aspire la première bouffée, quand la fumée a passé, il y a le risque de gagner un cancer. Depuis sur la bouche, sur la lèvre, la gorge, l'estomac, poumon, jusqu'à sur la vessie, il garde l'urine pour l'uriner. Là-bas aussi, il y a le risque de gagner un cancer. Non seulement cancer, comme on dit, maladie, c'est maladie cardiaque. Maladie cardiaque, maladie cancer. Et même, il trouvait que la cigarette est responsable du diabète. Parce que les nous, l'organe, émettre plus de sucre qu'il a besoin quand il gagne sur la fumée cigarette-là. Donc, le risque, il est là. Le risque, ne pas jouer avec du feu. Ne vous brûler tôt ou tard. De retour sur le plateau de l'émission Agir ensemble pour la seconde partie de l'émission. Notre invité, je vous le rappelle, c'est Nomen Tambanivoul, qui est travailleur social engagé au centre Idriss Goumani. Monsieur Tambanivoul, vous pouvez dire des affaires tellement importants, tellement profonds. Jeudi, nous trouvons qu'il y a un rajeunissement, une féminisation aussi de bonnes personnes qui consomment la cigarette, qui sont fumeurs. Est-ce qu'il nous explique ça, premièrement, cet aspect-là? Et deuxièmement, nous comprenons qui fait Dimoun fumer? On prend l'exemple personnel pour moi. Ça, c'est personnel pour moi. Camarade, tu peux offrir moi une cigarette. Moi, je dis aux autres non. Pas que vous connaissez qui est le problème maintenant. Moi, je dis aux autres non. Pistonner, fumer. Montrer que. Je te servis le mot. Montrer que tu es un homme. Mm-hmm. Alors, montrer qu'un homme, tu sais. Mais finalement, tu es capable de continuer à fumer. Fumer. Finalement, une, 22, 2, 23, 20, une dizaine par jour, facilement. Pour les bandes des autres camarades, c'est. Curiosité, envie de connaître qui est là-dedans. Sans que personne ne dise de fumer, j'ai envie de trouver un camarade qui est fumé avec qui est là-dedans. S'il y a une cour. Maintenant, comment on peut dire, la féminisation, pas seulement de la cigarette, mais aussi des autres drogues synthétiques, l'héroïne. Il y a une remontée de la féminisation de cette drogue-là. Comment on explique ça? Pour plusieurs raisons. N, c'est par rapport à votre situation. Parfois, il y a déjà un problème. Je pensais que la drogue ou bien le tabac pour résoudre le problème. Et non, qui. Puis après ça, quand on dit allé là, et non, qui. Je ne vais pas faire. Je vais pas fumer, je ne vais pas faire partie du groupe. Mm-hmm. Je deviens marginal. Alors, je ne vais pas perdre mon groupe. Je vais fumer. Alors, je t'accueille, tape-moi les dos. Ouais, tu as un grand paquet. Continue. Elle m'a ferme ça. Mm-hmm. Alors, bah, c'est une raison qui fait un jeune fumer. Après, on a pensé qui. Pour capable faire mieux, un étudiant, peut-être, je pensais qu'il avait mieux besoin de fumer. Ce n'est pas vrai. Au contraire, mm-hmm. il ralentit les autres. Donc, ça pour la cigarette. Et deuxième partie de la question, c'est. Vous dites comme ça, mais qui fait Bandimoun continuer à fumer? Parce que sur les boîtes de cigarettes même, nous trouvons qu'il s'est mentionné en grand
que la cigarette tue. La cigarette tue. Et il y a une photo qui m'en a une boîte de cigarettes qui est effrayante. Oui. Alors, est-ce que la personne, en connaissance de cause, lui connaît que la cigarette tue, lui connaît également que ça peut affecter ses poumons, sur les foies, sur les cœurs et les autres parties sur les corps, et qui fait lui continuer? Est-ce qu'il y a une étude qui fait, ou qui sur le terrain, ou travaille avec Zimoun, qui fait? Mais quand vous êtes dans ce groupe, vous oubliez cette information-là. Mm-hmm. Vous oubliez complètement. Ce qui est important pour vous autres, vous paraître capable de faire membre de ce groupe-là, mm-hmm. ou bien qui. Curiosité. Il y a des gens qui sont tracas, ils fument parce qu'ils sont stressés. Oui, mais il ne faut pas oublier que ça traque qu'il peut gagner là. Il y a une autre façon capable de stresser. Mm-hmm. Mais la cigarette, c'est un faux ami, mm-hmm. un vrai ennemi. Mm-hmm. Un faux ami, mais un vrai ennemi. Il fait une sensation de soulagement. Mais il n'y a pas de résoudre ce problème-là. Par exemple, il y en a beaucoup qui disent qu'ils dans la drogue, ils se retirent dans la drogue, comme la drogue brown sugar, mais ils ont rechuté après, qui fait une rechute à cause de gagner tracas. Mais quand mon frère comprend que quand on gagne tracas, quand on prend la drogue, oubliez ce problème-là pour un moment. Obligé fermé ou dans un état de somnolence, mais quand ça, l'effet de la drogue-là fini, obligé réouvert, problème à l'ipoula, non seulement l'ipoula, mais mm-hmm. il y a un deuxième problème, vous rentrez dans la drogue, l'addiction va revenir tout de suite, l'addiction fait au besoin de tracer à la route de l'argent, la route de l'argent a besoin peut-être à le voler, gagne un problème la police. Si un problème n'est pas capable de résoudre, comment pour résoudre ça, tracer les problèmes qui viennent après là? Donc, je n'ai pas réfléchi là, je n'ai pas réalisé ça, ce conséquence. Je pensais, l'effet immédiat, m'oublier mon tracas. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas pour résoudre le problème, ce n'est pas pour faire le tracas disparaître. Donc, la cigarette, comme les autres drogues, n'est pas une solution pour le problème. Au contraire, elle aggrave le problème, elle augmente le problème. Non, mais Thomas Nivoul, nous trouvons qu'au sein de la société, il y a beaucoup de personnes qui ben fumeur n'est pas capable peut-être oui on a un chiffre nous pas connaît peut-être il y a plus de fumeurs que de non fumeurs ma question sur les campagnes de sensibilisation qui peut faire depuis des années ou une fin remonte dans les années 70 peut-être 80 mm-hmm. que tout même où tienne fumeur et qui finit dans une campagne je suis sûr qu'il y a une campagne puis continuer alors quelle est l'importance de la des campagnes de sensibilisation? Est-ce que ça aide vraiment à sortir des fumeurs, des autres situations? Oui, comme on dit en anglais, prevention is better than cure. Alors, si la personne n'a pas encore fait l'expérience, tant mieux. Il gagne ce message-là, ça accroché avec lui, il n'est pas touché. Malheureusement, malgré toute campagne qu'il nous peut faire, que ce soit sur le tabac ou les autres drogues, malgré toute campagne qu'il nous peut faire, pour un an qui a envie de goûter, mm-hmm. curiosité. Je pensais, je vais fumer un coup aujourd'hui, après je vais finir, je vais fumer un coup aujourd'hui, je vais fumer demain, après je vais arrêter. Aujourd'hui, demain, après demain, après je vais arrêter. Sans les rendre compte, je vais venir accro. Donc, malgré toute une campagne qu'il peut faire, nous trouvons que la cigarette peut continuer à affecter les jeunes. Nous prenons un exemple. Si un jeune, moi, adresse-moi à un jeune surtout aujourd'hui, que ce soit jeune fille ou jeune gens, que si vous êtes dans un supermarché, vous trouvez, c'est Ali Lazer qui dit ça, vous trouvez, en passant au chalulis, que si vous trouvez une boîte de chocolat, très bon, mais si, déjà, si, vous, fume, si vous consommez ce chocolat-là, vous gagnez une maladie cardiaque. Pas vous prendre lit. Mm-hmm. Mais pourquoi la cigarette? Mm-hmm. Donc, je demande à un jeune, vous disiez, comprend bien que avec sa bonne, si ça producteur de tabac-là, il peut déjà aussi acheter ce produit ou gagner ce bon méfait-là. Donc, raison de plus pour ne pas consommer. Si vous ne pouvez pas consommer, pas consommer. Si vous déjà là, donc pas encore vinaïdique, vous m'aurez dit, l'heure est maintenant d'arrêter tout de suite. Et si vous êtes déjà accro, faites un traitement. Moukoujaou, sur la situation sur le terrain, est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont envie d'arrêter de fumer? Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent suivre une campagne, un plan de 5 jours, un plan de sensibilisation? Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui montraient l'intérêt d'arrêter de fumer? Est-ce qu'il y en a beaucoup? Oui, bien sûr. Et quand le plan de 5 jours, la Ligue Vie Santé qui fait ça au bassin, gagne un an, la salle est remplie. Mm-hmm. La salle est remplie, moi j'ai assisté. Est-ce que ça continue toujours? Ça, oui, mais maintenant, à cause du Covid, il y a un ralentissement. Mais moi, finalement, juste pour apporter mon soutien à ban fumeur, pour montrer aux autres qu'arrêter est possible. Lors de 5 jours, c'est 5 jours. Est-ce qu'en 5 jours, il y a des gens qui arrêtent de fumer? Bien sûr. Premier jour, il y a des gens qui arrêtent de fumer. Mm-hmm. C'est ce qu'ils nous ont fait, moi. Premier jour, là même,
Bao, là-dedans même. OK. Donc, il y a un plan. Et depuis ça, pas du tout? Du tout. OK. Du tout. Et donc, plan de 5 jours, il marchait. Mais il fallait être sérieux. Assister sur 5 jours continuellement, une bonne préparation. Et ça marchait. Nous faisons un exercice tout de suite. Ben, dis-moi qui peut suivre l'émission. Oui. Et probablement, quand on écoute tout, là, vous êtes capable de dire, mais moi, arrête de fumer. Et qui conseille, vous n'avez pas de dire, là, comment faire pour arrêter de fumer? Bon, il y a une possibilité qui est au ministère de la Santé, il y a aussi une unité là-bas pour arrêter de fumer. Ou bien le plan de 5 jours, c'est annoncé dans le journal, ou bien au centre Goumani. Mm-hmm. Oui. Et au centre Goumani, comment ça passait? Nous vous appelons sur le centre, sur le programme concernant le bandimoun qui a envie d'arrêter de fumer. Donc, quand vous pouvez nous contacter, nous faisons un dossier pour vous. Nous pouvons expliquer vous qui fait envie d'arrêter de fumer, qui raison, qui ne pousse pas pour faire ça, comment on commence à fumer. Et si tu es intéressé par arrêter de fumer, nous donnons un rendez-vous, que nous faisons un travail pour qu'ils comprennent l'avantage que j'ai pour gagner grâce à l'arrêt de fumer. Donc, sans médicaments. Hein. Maintenant, si tu as un problème de santé, bien sûr, il y a un médecin qui peut assister les autres. Alors, mon revient sur cet aspect-là, peut-être là, tout de suite, il y a une personne qui peut suivre l'émission, qui peut prendre la décision de dire, écoutez, peut-être que la santé est plus affectée, je n'ai pas sentiment bien, mon envie arrête de fumer, je ne connais pas ce qu'il m'a besoin de faire. Peut-être qu'il prend une décision personnelle pour arrêter de fumer. Est-ce qu'il est possible qu'un Zimoun, sans qu'il y fréquente l'institution, l'ONG et autres, par lui-même arrête de fumer, est-ce que c'est possible? C'est possible. Mais quand on fait en groupe, ça marche mieux. OK. Ça marche mieux, c'est la dynamique de groupe. Ça fait un bel effet. Il ne peut pas m'arrêter. Mm-hmm. Il y a une personne qui, quand vous entendez que dans un documentaire, entendez que la cigarette est autant grave, autant dangereuse, c'est arrêté. Mais il est bien rare. Mais il est bien rare. Une question un peu médicale peut-être. Si un Zimoun il fumait pendant des années et il arrête de fumer, est-ce qu'il est capable de retrouver sur la santé dans le temps? Est-ce que ce métabolisme rétablit? Est-ce que ça peut, comment dire, s'il est affecté, nicotine quitte sur l'écho? Est-ce qu'il est capable de régénérer? Bien sûr. Autant vrai jusqu'à ce qu'il n'ait pas fait aucune maladie mortelle que provoquée par le tabac, comme le cancer ou problème cardiaque. Mais s'il est arrêté, il faut régénérer. Il ne faut pas dire complètement régénérer 100%, mais il y a une amélioration. Par exemple, la nicotine, il prend quelques jours pour le corps débarrasser de la nicotine, en quelques jours. Donc, et c'est même la drogue qui fait devenir accro, ça. C'est pas que la nicotine, dans la cigarette, la personne n'est pas intéressée. La nicotine, c'est la drogue la plus puissante qui existe au monde. Et ça se trouve dans la cigarette. Donc, la nicotine, en quelques jours, la personne arrête de fumer, elle arrête, et pas pour aucun craving, pas pour aucun symptôme de manque. Mais ce qui est arrivé, il y a deux façons de la cigarette pas affecter. Un côté physique, mais deuxième, c'est conditionnement. D'accord. Conditionnement veut dire que l'habitué, quand il finit de déjeuner, il prend sa cigarette. Même qu'il a sa urge, sa nécessité pour lui prendre sa cigarette là, une habitude. Ou bien, quand il peut être un film, assisé, dans une fer, il fume sa cigarette. So, il n'y a aucun urge. Donc, psychologique, je ne pas dire psychologique exactement, mais conditionnement. Mais c'est un conditionnement-là qui nous besoin de travail, là, qui nous explique, mais au lieu que tu fumes une cigarette, trouve une petite chose pour te faire. Tu peux assister dans la télévision, tu fumes ta cigarette, mais débarrasse-toi de ta cigarette avant que tu viennes, de ton cendrier, parce que tant que tu as ton cendrier, tu n'as pas envie de fumer. C'est une quelque chose qui incite pour fumer. Donc, par exemple, dans le plan de 5 jours, il y a un jour là-bas, le premier ou deuxième jour, quand la personne vient, j'ai tiré deux cigarettes, David se pose, tiré tout briqué, tout, mais dans un cercueil, comme ça, en terre, la vie de fumeur là. Et ça marchait. Alors, Norman Tambanivoul, c'est quelque chose d'extraordinaire que vous pouvez partager avec nous aujourd'hui, parce qu'il ne faut pas oublier que la cigarette tue. La cigarette tue. Ça, tout le monde est d'accord, même si un Zimoun, il y a un fumeur, il connaît que la cigarette est néfaste pour la santé. Alors, le message que vous avez pour tout simplement Zimoun, fumeur ou qui peut-être envie d'arrêter de fumer, quel est le message que vous avez pour terminer l'émission? Bon, pour terminer, laisse-moi dire, écoute-moi, c'est pas seulement le fumeur qui peut intoxiquer lui, mais son environnement. On appelle ça fumeur passif. Et du coup, le même risque attrape la maladie du fumeur. Mais maintenant, jeune fille qui peut fumer,
le risque d'être vieilli, d'un vieillissement précoce, il est là. Donc, une jeune fille me pensait accrocher à sa jeunesse. Donc, si une jeune fille peut fumer, il paraît plus vieille que son âge réel. Mmh. Alors, on lance un appel à une jeune fille. Si vous n'êtes pas encore rentré dans la cigarette, pas touché, vous êtes déjà là-dedans, fin de manière sortie. Et bien, les jeunes gens qui l'ont, pas oublié, la cigarette, c'est une cause de l'impuissance sexuelle. Alors, si vous trouvez, vous pouvez accro avec la cigarette, si vous n'avez pas encore envie de sortir, et n'avez pas une porte de sortie. Voilà, et donc, le centre Goumani trouve à la pleine verte, et nous donne ouvert tous les jours de la semaine, sauf les jours de congé public et les dimanches. Et le samedi demi-journée. Nomen Tambanivoul, travailleur social engagé au centre Idriss Goumani, merci beaucoup pour tous vos conseils, vos témoignages et surtout pour le poème que vous nous faites en plateau. C'est magnifique. Continuez à écrire hein, et revenez nous voir. Raconte-nous encore vos poèmes que vous pouvez écrire. C'est avec grand plaisir que nous découvrons vos travailleurs sociaux engagés qui vraiment croient dans ce qu'ils peuvent faire. Merci encore. C'est moi qui vous remercie, M. Valère, et c'est vraiment un grand plaisir d'être ici aujourd'hui pour cette émission-là. Merci. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'émission Agir ensemble pour cette semaine. On profite pour remercier tous ceux qui travaillent dans cette émission et aussi tous ceux qui défilent chaque semaine pour amener votre savoir-faire, votre expérience et votre témoignage. Merci encore une fois et merci à vous de nous suivre. Merci et au revoir.